J'adore la country. J'avais besoin d'un petit coup de country pour. On va tester un truc. On va tester l'Apex. Tout le monde me dit, tu vas faire du Apex, Mary, la Soulja Academy, c'est quoi son point de vue sur Apex? Denis FPS, la mafia m'a obligé à faire du Apex. La Soulja Academy, si vous allez pas sur Apex, je vous coupe les tétons. Et il a parlé des tétons, je sais pas pourquoi. All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Je tiens à préciser une chose, et ça va vous étonner. Je ne connais rien à ce jeu. Jouer à Apex. Jouer à Apex. Entraînement. Jouer à Apex. Entraînement. Jouer. Ouais, voilà. Déjà, je galère rien que sur le menu. Il coûte combien? Il coûte gratuit. C'est un jeu qui est pas très cher. Waouh! Ok, faire tourner. Ok, je fais tourner. C'est bien. Matière première, c'est bien ça de la matière première? Je ne sais rien, je découvre. Prêt pour ma première partie sur Apex? C'est quoi le but d'Apex? Je ne peux rien vous dire sur ce jeu parce que je ne le connais pas. Je le découvre. Ça se trouve, je vais devenir professionnel du jeu vidéo. On ne sait pas. 5, 4, 3. Sélectionnez la légende. Moi, je veux le robot. Oh là, attends, il se passe quoi là? Voilà, j'ai le robot. Donc c'est du 3v3, c'est ça? C'est quoi? C'est un BRPG. Ah, ça j'aime bien déjà. Tout ce qui est RPG, j'aime bien. Code champion. Ok. Et c'est du 3v3, c'est quoi? C'est quoi? Expliquez-moi, qu'est-ce que je fais? Suggérer. Je suggère qu'on aille ici, les mecs. Ah, c'est trop bien ça. Oh, il y a des hippocampes. Ok. Ouais. Je peux pas aller où je veux? Je peux pas aller où je veux. Oh putain, il y a les autres et tout. Ah ouais, on part tous du même truc, c'est cool ça. Suivez. Ah, on suit un mec. C'est trop bien ça. 3v3, la première fois qu'il gagne. Envie gagne un BR quoi. Trop bien, c'est du 3v3. Et pourquoi il y a un mec solo là? Il y a un mec qui est tous. Ah non, c'est du 3v3v3 en fait. Il y a un coffre. Wow. Oh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, ma sensibilité est hardcore. C'est quoi ça? C'est quoi la bulle? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Y'a des mecs là! Allez, ça dégage! Ah, c'est quoi ça? Je suis trop fort. Ah, mais il est dans mon dos, mais. Ah. Bon, j'ai fait mon premier kill, ce qui était pas mal. Mais j'ai. Oh, elle est stylée. Excellent ça. Excellentissime. J'ai pas compris. Alors, le problème, c'est que je connais pas les compétences des gens. Hein. A priori, là, elle a mis une sorte d'alibi comme dans R6, c'est ça? Il est tombé sur le mirage. Ouais, je connais pas. C'est une sorte d'alibi. Ouais, bah c'est ce que j'ai compris. Ouais. Ouais, elle m'a défoncé la gueule. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a un système d'agents. Un peu comme sur R6, avec leurs capacités. Le problème, c'est que je ne connais pas du tout les capacités des gens. T'es un monstre, toi. Toi, t'es un monstre. Je me suis fait défoncer la gueule. Donc, l'idée d'avoir des opérateurs. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça dans ce jeu. Mais des personnages avec des capacités dans un BR. Très intéressant, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'on retrouve un peu l'esprit Rainbow Six, pour le coup. Toute comparaison à y garder tout de même. On n'est pas dans du Rainbow non plus. Hein. Mais cette idée-là me plaît. Oui, comme dit PandoBoy51, faut une certaine cohésion dans les équipes. Et oui, je pense qu'on peut créer, des compositions très intéressantes. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on peut partir en solo? On peut pas partir en solo. Tu pars obligatoirement en team de 3, c'est ça? Je ne sais pas. Je pose la question. Je suis un néophyte. Hein. Yep, on me dit non à 3. Oui. Ok, alors j'aime bien cette idée. J'aime bien cette conception. On n'a pas un truc comme dans R6 où ils disent ah bah cet agent là il a un corbeau qui lui permet de péter sur les gens. Non, on ne sait pas. Clic droit. Oh putain, mais mec, tu connais tout, Cyril. Merci, Cyril. Alors, clic droit. Là, on a Bloodhunt. Alors, je vous explique en même temps. Hein, le mec, il connaît pas, mais qui va vous expliquer. C'est moi. Il a une capacité passive.
Les ennemis laissent derrière eux des indices sur leur position. En fait, c'est un Rakal. Lui, on va l'appeler Rakal. Hein, œil de faucon. Affiche brièvement les ennemis, pièges et indices à travers les bâtiments. Donc, c'est un Rakal Pulse. Oh putain, t'imagines? Et lui, dans R6, il est bien, quoi. Vous transforme en chasseur ultime grâce à vos sens aiguisés. Vous voyez les pistes anciennes et vous déplacez plus vite. Pas mal, lui. Et ensuite, on a Gibraltar. Gibraltar, blindage d'armement. Tirer au viseur pour déployer un blindage d'armement qui bloque les tirs entrants. Donc lui c'est Blitz. Dôme protecteur, un bouclier, ok. Et le truc ultime, demander une frappe de mortier concentrée désignant la cible à l'aide de fumée. Ouais, donc c'est lui c'est du Blitz, montagne, fuse. Hein, voilà, je dis ça pour me resituer, tu vois, pour comprendre à peu près. Ensuite on a Lifeline. Secouriste de combat, vous réanimez vos alliés. Vous réanimez plus vite les alliés KO et un mur de bouclier vous protège l'utilisation des objets de soins de 25% plus rapide, ok. Donc LC Doc. Drone médecin Doc, justement. C'est con, mais c'est comme ça. Le drone d'ostéocompassion. Oh, c'est mignon, d'ostéocompassion. C'est-à-dire que t'es un ostéopathe compatissant. Oh, ma peau, vous avez... Oh, j'arrive. Soigne automatiquement, mais lentement les unités, ok. Ultime, pack de soutien, le module de largage, vous expliquez l'équipement défensif haut de gamme, ok. Et donc moi, c'est le perso que j'aimais bien, mais je l'avais pris rien que pour le skin. Je sais pas du tout ce qu'il faisait. Hein. Délit d'initié, scanner une balise topographique pour localiser le prochain anneau. Donc lui, c'est Frodon. Grappin, outil très utile pour rejoindre rapidement les zones. Ça, j'ai vu que j'avais un grappin. Et lance tyrolienne, crée une tyrolienne universelle. En fait, c'est pas du tout pour moi, ce perso. Il est beaucoup trop en mouvement pour moi. Enfin, bref, on s'en fout. Ensuite, on a Vraitz. Voix du vide. Vous entendez une voix quand les dangers approchent et, pour autant que vous puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous. Hein? En gros, elle a les schizos. D'accord, ok. Repositionnez-vous rapidement dans le vide afin d'éviter tout dommage. Repositionnez-vous rapidement dans le vide afin... J'ai pas compris, mais ça a l'air d'être bien. Ultime, l'ultime c'est dimensionnel, deux portails s'ouvrent pour faire communiquer deux lieux distants pendant 60 secondes. Oh putain, c'est pas mal le portail, ouais, c'est cool ça. Dans R6 il faudrait un perso comme ça. Tu mets un portail sur chaque BP. tu dégages comme ça. Ensuite on a Bangalore. Bah j'aime bien le truc. Bangalore. Vous avez pas compris le jeu de mots, ce n'est pas grave. Donc elle a fait quoi? Pas de charge. Vous vous déplacez temporairement plus vite si vous avez un ennemi qui tire au-dessus que vous courez. Oh c'est bien ça. On tire dessus, tu cours plus vite. Ça c'est cool. Lance fumigène. Lance une fumigène à tout donné qui génère un mur de fumée. Ok. Invoquer une frappe d'artillerie qui avance inexorablement sur le champ de bataille. Ça me plaît. Elle me plaît. Déjà elle, ça serait plus mon type de jeu. Vinox, vous apercevez vos ennemis à travers les nuages de gaz. Ah lui, bah lui c'est smoke en fait. Placer 6 bonbonnes qui libèrent du gaz, ok, grenade à gaz, capable de... Lui il me plaît bien, le smoke il me plaît bien, caustique on va l'appeler, il s'appelle caustique, pas smoke. Ne confondez pas R6, et... on peut se tromper. Et ensuite le dernier mirage, donc c'est lui qui m'a bait tout à l'heure. Prolongation déploie automatiquement un leurre qui vous camoufle pendant... Ah ouais, en plus le leurre te camoufle, ah bien. Vous déploie un holographique pour semer la confusion dans les rangs ennemis. Mirage déploie une équipe de leurre pour disparaître des ennemis pendant qu'ils se camouflent. Ok, je commence à comprendre le concept. Bon, de tous les personnages que j'ai lus, il y en a deux qui me plaisent. Vraitz et Bangalore. Non, il y en a trois qui me plaisent. Ces trois-là. Bloodhound. Enfin bref, 1, 2, 3. Ces trois-là, j'aime bien beaucoup. Je déconne les mecs, on va là-bas, regardez. Non, je déconne, on va là-bas. Non, je déconne, on va là-bas. Ouh. Allez, Ghostbuster, on est une team. Alors moi, je fais quoi déjà? Moi, j'ai zappé ce que je dois faire. Je dois aller où? Je dois faire quoi? Je connais pas la map. Il y a une caméra, on va être repéré. Il me faut des armes. Je n'ai pas d'armes. Bonne route. Je suis bonne route et j'ai pas d'armes. Oh si. J'ai pris tout ce qu'il y avait, je sais pas ce que c'est. Un pistolet. Putain, il a l'air bien. On peut se cacher là-dedans? Oh, excellent. Ok, ben moi je reste là pendant toute la game. Alors j'ai une question. J'ai une question très sérieuse. Est-ce qu'il y a ce système comme les autres BR où il y a une zone qui te pousse à un territoire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer avec un... Oui? Ah c'est chiant, je peux pas rester là alors. Attends, je vais aller loot là-bas, il y a des trucs, je suis sûr. Oh là, il y a quelqu'un là en face. Il y a quelqu'un en face, j'ai vu la porte s'ouvrir. Ok, je sais pas viser. A l'aide les gars. J'ai pas d'aim. Ah, j'avais qu'un petit pistolet. Et la sensi, par contre, la sensi est...